Ils sont arrivés par centaines. Les policiers ont repris le contrôle de la place Taksim dans le centre d'Istanbul, occupée depuis plusieurs jours par des manifestants. Usant des gaz lacrymogènes et des canons à eau, les forces de l'ordre n'ont en revanche pas pénétré dans le parc Gezi. Face aux policiers, de nombreux manifestants ont riposté par des cocktails Molotov et des lance-pierres. Les forces de l'ordre avaient quitté la place Taksim le 1er juin dernier, au lendemain de très violents affrontements et après avoir été vivement critiquées pour la brutalité avec laquelle elles auraient agi. Face à la contestation grandissante depuis désormais deux semaines, le Premier ministre Tayyip Recep Erdogan s'est montré déterminé, refusant depuis le début d'entendre les revendications de la rue. Les manifestants réclament notamment sa démission. Mais lundi soir, le chef du gouvernement a fait un geste d'ouverture et a accepté de recevoir ce mercredi les représentants des manifestants. Certains du soutien de la majorité des Turcs, Erdogan a invité ses partisans à lui donner raison dans les urnes lors du scrutin municipal de 2014. Son parti, l'AKP, était arrivé très largement en tête des suffrages aux dernières législatives il y a deux ans.